Le système de clé intelligente vous permet de verrouiller et de déverrouiller facilement le véhicule sans avoir à sortir le porte-clés de votre poche ou de votre sac à main. Pour déverrouiller une portière de l'extérieur du véhicule, ayez la clé intelligente sur vous, puis appuyez sur ce bouton de demande de la poignée de la portière, le cas échéant. Cette portière se déverrouillera. Appuyez de nouveau sur le bouton dans la minute qui suit pour déverrouiller les autres portières. Pour verrouiller le véhicule, appuyez une fois sur n'importe quel bouton de demande de poignée de portière lorsque toutes les portières sont fermées. Ces fonctions sont disponibles lorsque la clé intelligente se trouve à environ 80 cm du bouton de demande correspondant. La clé intelligente possède des fonctions de télédéverrouillage qui peuvent fonctionner dans un rayon d'environ 10 mètres du véhicule. Appuyez une fois sur ce bouton pour déverrouiller la portière du conducteur. Appuyez rapidement une deuxième fois sur ce bouton pour déverrouiller les autres portières. Appuyez sur ce bouton pour verrouiller votre véhicule. Les feux de détresse clignoteront et le klaxon retentira pour vous aviser que les portières ont été verrouillées. Si vous quittez le véhicule et que vous fermez la porte sans la clé intelligente, toutes les portières se déverrouilleront et un carillon d'alarme retentira. En appuyant sur les boutons de verrouillage et de déverrouillage pendant plus de 2 secondes, vous désactiverez la fonction de klaxon. Les feux de détresse clignoteront 3 fois pour vous indiquer que la fonction a été désactivée. Pour la réactiver, appuyez de nouveau sur les 2 boutons et maintenez-les enfoncés pendant plus de 2 secondes. Les témoins des feux de détresse clignoteront 1 fois et le klaxon retentira 1 fois. Votre clé intelligente est également équipée d'un bouton d'alarme d'urgence. Pour activer le système d'alarme d'urgence, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. L'alarme peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton du porte-clés. Si la batterie de la clé intelligente est morte, vous trouverez une clé mécanique au dos du porte-clés. Relâchez le bouton de verrou pour faire sortir la clé mécanique. Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 clés intelligentes pour un véhicule, à condition qu'elles soient enregistrées auprès d'un concessionnaire Nissan avant d'utiliser le système. Ce témoin du porte-clés clignote pour indiquer qu'un signal est transmis. Le nombre de clignotements indique quel porte-clés attribué est utilisé. La clé intelligente comporte des composants électriques sensibles. Veuillez éviter les situations suivantes qui pourraient nuire à son fonctionnement. Ne la laissez pas tomber ou ne la cognez pas contre un autre objet. Évitez tout contact avec de l'eau. Gardez-la à l'écart de tout équipement produisant des champs magnétiques, notamment les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les téléviseurs et les accessoires audio, et évitez de la garder sur un porte-clés contenant un aimant. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.